Et eh bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Left 4 Dead 2. Je suis toujours en compagnie de Renkin Echo. Comment ça va Renkin Echo? Eh ben ça va toujours. On s'est pris un petit peu une grosse chiasse de zombies quand même, hein, juste avant. Tout petit peu, juste un déluge de zombies avec 50 milliards d'êtres humains qu'on a dû flinguer alors qu'ils étaient, ils étaient plus ou moins morts-vivants. Ça c'était lors de l'épisode 17. Et là, l'épisode 18, je sais pas du tout comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais on va y aller ensemble, tranquillement. Hop, ben voilà. Défibrillateur. C'était un peu la bourre. Non. Défibrillateur, non, pas pour nous. Par contre, les alliés pourraient prendre un défibrillateur, ça pourrait être cool, tu vois. Mais... Ouais, enfin, un défibrillateur... Ça veut dire qu'il faut mourir d'abord. Et ça, c'est pas cool. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ça pourrait nous être utile si jamais on venait à mourir. Et surtout. Bon, j'ai pris le cocktail Molotov là, au cas où pour. Je préfère ça à la bile de renard. Bile de renard. La bile de boomer. Oui, non, mais c'est par rapport à Kaamelott avec la potion de je sais plus quoi où il faut de la bile de renard. Ah oui. Si vous tombez sur un enchanteur qui sait faire bouillir de l'eau, vous pouvez tenter la potion de guérison des plaies. Mais bon. On va avancer. Là, l'avantage, c'est qu'on est stuffé comme jamais. Avec Deagle ah bah, oui, là, et AK-47. Comment j'ai réussi à t'esquiver, toi? Je sais pas. Et surtout, comment est-ce qu'il a réussi à ne pas te choper? Ouais. Une deuxième fois, je veux dire. Aïe! J'aime bien faire ça. Oui, je suis un trollolo. Après, t'étonnes pas si je viens pas te sauver, hein. Oh, tout de suite, oh là là. One tap. Ok, bon, bah on avance. Riverside Park. Ouh, je me rappelle. Picnic grounds and swimming area, trop bien, on va pouvoir nager. Ouais, ah non, justement, tu sais pas nager, je te rappelle. Enfin, nos personnages ne savent pas nager. Nage avec les zombies. Donc, on va devoir se démerder pour pas tomber dans l'eau. Bah, il va y avoir des chargeurs. Il y a des chances. Ah, c'était tendu, ça. Ouais, non, ça passait bien. J'aide même pas les alliés, et donc là le truc c'est que bah y a un bateau qui va venir nous chercher si j'ai pas de conneries. Ah ça fait un peu Reddit, enfin ça fait un peu Predit puisque le 2 est sorti après le 1, ce qui est très logique. C'est plutôt donc, logique. Donc forcément, ouais. Encore que dans l'univers de Borderlands typiquement t'as Borderlands 1, Borderlands 2 et après t'as la pré-séquelle qui se place entre le 1 et le 2. Ah oui. Donc à la fois logique, à la fois pas logique. On répond à la radio ou Conseil quoi entre le Molotov ou la bombe? Comme tu le sens, mais il va y avoir des tanks, donc Molotov ça peut être bien. Ouais, je vais rester sur Molotov alors. Oh yay, une sulfate. Une sulfateuse? Fixe ou ouais. Transportable? Non, une merde. D'accord, donc fixe. Allez, c'est bon. On est prêt. Il va y avoir du monde au balcon. Ah, pas au balcon, ah mais... elle est où la zone de munitions d'ailleurs au passage? Là, ici, devant moi. Juste au bord de l'eau. Le bateau est en ah mais ouais, d'accord. Bon. Ouais, bah ouais. Ça va être la misère. Alors, le boomer, je sais même pas du tout comment est-ce que j'ai fait pour le sniper. Ouais, j'avoue que... D'accord, il y a un Hunter qui a décalé devant mes balles. Il est mort. Donc faut tenir comme d'hab, hein, dernière mission du chapitre. Jockey. J'ai entendu un spitter. Il y a des zombies qui arrivent de partout, classique, hein. Ouais, bah oui. Un petit massacre. Chargeur, chargeur.
Alors t'as bien fait de te décaler parce que si jamais il te foutait dans la flotte, t'étais ouais, mort. Ouais, 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 ouais. Mais je l'ai senti venir celle-là. Le pire, c'est qu'il peut vraiment t'instant. Hein. C'est-à-dire que même si t'es full vie, etc., et que t'es pas encore foutu à terre, si jamais le chargeur te fout à la flotte, t'es mort instant. Tu peux pas être relevé ou quoi que ce soit. Même le défibrillateur ne marche pas sur toi, pour dire. En fait, ça va, les boomers sont faciles à sniper parce que même de loin, ils sont tellement énormes que là, par exemple, je viens d'en sniper un, mais sans difficulté, quoi. Alors, oui, pour que toi tu réussisses à en sniper un, c'est vraiment que c'est pas fait, c'est pas difficile. Voilà. Je taquine. Non, non, mais c'est vrai, j'avoue. Tank. J'entends un tank. Où est-ce qu'il est? Je l'entends, mais je le vois pas. Et il est de mon côté, à gauche. Ah oui. Tu vois un rocher qui vole, ouais, ouais, je confirme. C'est ça. Il y a un tank. Merde. Ah merde, il est pas mort. Voilà, merde. Il est mort, aïe. Aïe. Ah ouais. Aïe. Il y avait une splitter qui attendait juste de se faire headshot. La pauvre. Ah, j'avais pas vu la ville en apocalypse derrière, c'est... Bah encore une fois, hein, touriste Renk. Oui, c'est ça, tu es touriste, moi je regarde même pas, tu vois, j'ai même pas fait gaffe qu'il y ait une ville derrière qui était en feu. Ouais, mais tu vois, c'est le problème des jeunes d'aujourd'hui, ils profitent plus du paysage. Alors je sais pas si on peut vraiment parler de profiter du paysage là pour le coup, hein, vu que c'est un petit peu la fin du monde. Sans déconner, des munitions. Bah ouais, t'es à côté d'un spot de munitions, banane. Y a un jockey dans le coin, mais je le vois pas. Et j'entends aussi un hunter. Qui est mort. Il y a du monde. Oh, un chargeur. Jean, c'est toi qui l'as tué. Bah ouais. Attends, qu'est-ce que tu crois? Tu te les balles dans la gueule, quoi. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Espèce de voleur. Hop. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais. Bon, on a eu qu'un seul tank pour l'instant. Hein. Normalement, il y en a deux ou trois qui débarquent. Ah. En parlant du loup. En parlant du loup, ouais, exactement. Je crois qu'il est à droite. Hein. On envoie le bout de la... Faut le flinguer. Ah là, il est mort. C'est bon. Et là, normalement, ça doit être bon. Voilà. Alors, il arrive par où le bateau? Il arrive par le ponton qui est à droite, on est d'accord. Par ce ponton qui est juste là, non? Non, à gauche. Non, non, mais si, il arrive en faisant. Il arrive par le ponton. Il y a Hunter. Ah! Bah je l'avais dit, il y a un hunter! Mais sérieusement? Foutez-moi la paix! Mais, ah putain! Mais t'es sérieux? T'as pas réussi à le dégommer le hunter? Non mais en fait le truc c'est que j'arrête pas de me faire cogner par les mobs et du coup ça décale ma vision. Non non, c'est pas les mobs, c'est les alliés. C'est encore pire. Hop, un petit peu d'adrénaline. Et puis pour le lulz. Voilà! Finger in the nose! On aura quand même moins galéré la gueule du bateau, quoi. Ah oui, bah, il est moche. Ouais. On aura moins galéré quand même sur le premier. Enfin, sur cette partie-là que sur la partie précédente. Tu réalises quand même? C'est chelou. Alors, par contre, du coup, je dois avoir un rôle de. Des stats de merde, vu que j'ai rejoint techniquement la partie en plein milieu. C'est vrai. Nombre de fois recommencé, une. Oui, on sait. Kit de soins utilisé, putain j'en ai grillé hein.
Cachant utilisé, comme d'hab, je suis un drogué. côté le Molotov, machin. Hunters tués, 5. Boomers bien. Tués, 10. Eh, hey, je me pose. Boomers tués. Smoker, tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que Smoker, je sais que j'en ai tué plus, mais c'était sur la première run et sur la deuxième. Ouais, ouais, genre. Tué, ouais. Regarde, tu vois, t'as tué que 136 infectés, voilà, hein, voilà l'efficacité. Ouais. Putain, et t'arrives en cours de partie et pourtant t'as été plus blessé que Zoé. Ouais. Précision totale, 31%. Et je suis deuxième. Je suis meilleur qu'un, qu'un NPC quand même. Ah là là. Bon allez, on va enchaîner avec le chapitre suivant. Qui va être assez attends, relou. Je choisis mon personnage, je reprends Zoé. Hop là, voilà. Tu veux vraiment continuer avec Zoé quoi. Ah ouais, tu peux avoir une excuse pour être nul. Oh là là, le vieux cliché, le comme sexisme. Quoi les filles, ça c'est pas visé et tout. Oh le sexisme. Ça n'a rien à voir par rapport au sexe, c'est du geekisme en fait. C'est parce que je pense qu'un vrai geek face à des zombies, il s'est pas visé parce qu'il est tout flippé. Oudère, leur vol vient d'être retardé à jamais. Ouais. Et on n'était pas sur un avion, on était sur un bateau. Oui, mais là on va aller dans l'aéroport. Ça a pas de trou d'air, un bateau. C'est la partie la plus chiante du jeu, je trouve. Salut, Boot. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? J'en sais foutrement rien. Bah, il vient de dire le bateau est allé tout droit vers l'aéroport et c'est pas loin non. D'ici. Merde. L'avion. Ah. Parce qu'un bateau, ça va pas à l'aéroport, hein. Je veux pas t'alerter. Ah oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Putain, on a que des armes de merde pour commencer l'aventure. Bonjour messieurs. Je vais essayer d'y aller à la Ouzi un peu. Je sais que je vais le regretter. Non, je vais le regretter. Ouais. Je vais prendre le... Oh, un jardin botanique. Ouais. Des plantes, quoi. Bah ouais. Mais quelle est la variété? J'en ai foutrement aucune idée. Du chanvre. Parce qu'il faut quand même se poser les questions importantes. Pendant une apocalypse zombie, quel végétal survit? Au hasard, beaucoup. Bah, tu sais pas. Peut-être qu'il y a des plantes qui supportent mal la zombification du monde et qui, du coup, meurent. Les plantes carnivores. Par exemple, les pâquerettes. Oh putain, chargeur. Ouais, mais j'essaie de t'aider. Chargeur, chargeur, chargeur. Trop easy. Tu l'as géré tout seul, bravo. Ouais. J'ai pris le deagle. Ah merde, j'ai pas vu que c'était un deagle. Bah moi, c'est pour ça que je fouille en premier. Je suis égoïste, t'as vu. Bah ouais, tac, tu crois que je suis qui, wesh. C'est la famille. Attends. Où est-ce qu'on va? Parlez-toi, d'accord. Boomer, tu dégages. Et j'entends un smoker. Ah merde. Je suis pas avec la bonne arme. D'accord, une horde sur les toits. Pas forcément le meilleur plan. Ah! Mais putain de merde! Non mais il sérieux, c'est quoi mort. Ce smoker de ouf? Voilà! C'est comme ça qu'on tue un smoker! Non mais alors! Bande d'amateurs! Ouais! J'ai le mec qui s'en va des fleurs! C'est ça, on va dire ça! Ensuite. Bah, je vais tenter de dire que c'est par là. Et puis par là. Je vois pas d'autre solution. Nous ne voyons pas d'autres explications. Ah, tu sais ce que j'ai découvert aujourd'hui? Quoi donc? Il y a une comédie musicale Portal 2. Sérieux? Ouais. Apparemment, selon Gaïa, qui est l'experte de la maisonnée en termes de comédie musicale, c'est pas si mal. Mais on sent que c'est un projet un peu... Enfin, c'est pas officiel, tu sais, que c'est... amateur, on pense que, enfin moi je pense que c'est des étudiants. Après je l'ai pas regardé, j'ai juste vite fait vérifier, enfin vérifier, regarder pardon à quoi ça ressemblait, mais
comme je suis pas un grand adepte. Moi j'avoue que comédie musicale. Il est con ou quoi ce chargeur? J'avoue que comédie musicale, moi ça me passionne pas plus que ça quoi. Aïe. Oh bah je suis descendu un peu plus vite que ce que je voulais. Ok. Et va viser le camion. Oui, bah. Ah merde! Ah t'as tiré dans la voiture, et moi aussi. Ah, foutez-moi la paix, bande de zombies à la con. Bien. Retournez satisfaire vos pulsions consuméristes ailleurs. What? Qu'est-ce qu'il dit? Bah, les zombies à la base, c'est une critique de la société consumériste. Ouais. Donc du coup, je dis, allez satisfaire vos pulsions consuméristes ailleurs. Tu parles en délire trop philosophique pour moi, là, Rank. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je suis en train de faire, là. Où est-ce qu'on va? Pour l'instant, on défonce les zombies que t'as alerté en tirant sur la voiture. Que j'ai alerté? Non, mais t'as alerté tout autant. Il y avait marqué Ren Kineko alerté la Horde. Il n'y avait pas marqué Derkomai 22 alerté la Horde. Donc voilà, je ne fais que lire ce que le jeu dit. Non mais t'as qu'à t'enfermer dans le bunker tout seul. Non mais putain, quel égoïste. Surtout ferme pas la porte derrière toi quand tu rentres. Mais il y avait quelqu'un d'autre derrière moi. Oui, elles sont bien les excuses. Très très bien. Non mais je note, Ah là là. On a Boot qui dit gauche 4, droite 2. Non, pardon, gauche 4, mort 2, ça fait un bail. Oui. Enfin, il dit pas ça, il dit L4D2, mais bon, je traduis parce que. Faut traduire dans la vie. Sinon, il n'y a pas de meilleures armes. Non. C'est quoi ça? C'est un fusil à pompe. Ouais, bon. Un fusil à pompe contre un fusil à pompe. Bah, il est plus précis le chromé, mais. Je crois qu'il est moins puissant. Ouais. Je crois, je suis pas sûr. Ouais. Dans tous les cas, c'est un fusil à pompe, c'est de la merde. Ouais. C'est vraiment de la merde, les fusils à pompe, quoi. Oui. On est d'accord. Par contre, ce qui est cool, quand même, avec les fusils à pompe, c'est que quand tu fais du démembrement, c'est... C'est joli, c'est, oui. C'est artistique. C'est sûr. Une autre vision de la vie, enfin de la mort. De l'après-mort, je dirais même. Allez, saute petite Zoé. Tu peux le faire. Mais... Alors, les zombies, moi je veux bien que vous nous fonciez dessus, tout ça, machin, mais articulez quand vous attaquez, parce que là on comprend rien de ce que vous dites. Il y a une M16, hein. Enfin, des M16, si tu veux. C'est quand même mieux que... Ouais. Mieux qu'un fusil à pompe. Qu'est-ce que c'est qu'on entend, là? Un jockey. Il y a des zombies un peu partout, on s'en fout. Il y a un deagle par terre si tu veux, mais je crois que t'en as déjà un, non? Non. Bah prends le deagle, voilà. Ouais. Faut monter là, faut pas lambiner comme ça. Et je lambine pas, je te cherche. Il y a une arme ici. Allez, je prends le fusil sniper, semi-automatique. Oui, grave. C'était une valeur sûre. De me tendre des pièges. Non. Aïe, putain, je me suis pas décalé, attends. Je l'ai vu celui-là. Ouais, je l'ai vu aussi, puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va me foncer dessus? Oui. Bon, t'es prêt? Alors, oui, non, il faut descendre, d'accord. Et là, c'est le merdier. Ok, ça arrive dans tous les sens. Ouais, c'est le principe d'une horde. La. Les amis, les zombies, c'est mais... toujours des amis. Voilà, putain, la vache. Preuve s'il en est que le magnum n'est pas très précis. Des bisous tout partout, des bisous dans le cou. Bah, on peut monter amis, en fait, les zombies. Non. Je sais pas. J'entends un machin bizarre. Moi aussi. Mais je crois que ça veut dire que c'est pas fini en fait.
Oh putain, il y a du monde. Ouais, plutôt efficace le sniper. Alors, je crois qu'il faut aller de l'autre côté en fait. Oui, c'est là. Il faut aller ici. Comme il s'est barré le hunter. Ouais. En mode bite. Couille molle. Utilisé. Il m'a pris pas surprise, c'est pour ça, oh là là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on va éviter de sauter. Bite bite, couille molle. Bah vas-y, va remonter Francis. Voilà. Il est tombé comme une merde. Mais... Oh la vache. Oh mon dieu, mais comment il a popé Francis d'un coup là? C'est quoi ce cheat? C'est quoi ces instants téléport? Ça a NPC en même temps. Ok, bon. On avance. On n'y est pas encore à l'aéroport. Hein. Bah non, mais en même temps, passer par les toits pour aller à l'aéroport, c'est jamais le chemin le plus court. Hein. Oh, un chargeur. Oh non, il va être pour moi, lui. Non, non, c'est bon, il est mort. Tu sais, je décale, je vois un chargeur, je fais eh merde. On a c'est-à-dire que là, le chargeur dans la pièce méga exiguë comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Bah, tu le défonces. Ouais, non, mais on est d'accord, ça, mais. Hop, il y a une M16 là. Que je vais prendre. Non, non, c'est bon, je reste avec mon. Je commence à manquer de mule. Oula. Ah, il est pour moi, il est pour moi. Ah putain, je me suis fait vomir dessus, je suis à terre, c'est la merde. Bah, je suis mort. Ah d'accord, ah, t'es vache, mort de chez mort. Ah mais la mise à mort express quoi. Oh bah je te regarde hein, du coup. Oh bah c'est bien, je suis un vrai mode touriste là. Ok, bon. Récupération de munitions. Alors, voyons voir. C'est dommage que je puisse pas me transformer en zombie pour. Non, là pour le coup, ce sera un peu salaud quand même. Et merde, elle est morte. Bah oui, c'est triste, hein. Je sais pas où aller. Rank, aide-moi. Ouais. Montre-moi alors, la voie. Dans des bureaux. Alors, tu es dans des bureaux et en face de toi, il y a une witch. Et il y a une splitter et un boomer qui sont morts. Mais ouais. Ah mais. Et un jockey. C'est le merdier. Oh putain. Oh, 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 bonjour. J'arrive. J'arrive, Rank. Je viens te sauver. Je viens te sauver. T'es pas là, t'es là. T'es pas là, mais il est où? Pas là. Pas là. Oh putain, je vais être voilà. À poil quoi, fais chier. Ah bah tu te démerdes. C'est ta faute si t'es mauvais. En fait, juste que le tank t'as laissé aucune chance quoi. Ah ouais, non mais c'est clair là. Je veux dire, tank, et juste après, je me fais vomir dessus par un boomer, donc je me mange la horde dans le dos, le tank en face. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Bah, tu décèdes. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, on est arrivé en plus, on est pile poil à la safe zone. Ah, fais chier, je me tape un Uzi tout pourri, quoi. Je te rassure, il y a une meilleure arme ici. Mais, sérieusement? Ça, c'est de l'action. Ça va, Renk? Ton expérience mortuaire était sympa? Ouais. J'ai failli effrayer la witch quand même, hein. Je suis assez... Oui, je sais pas comment tu l'as pas effrayée, parce que t'étais juste à 5 cm d'elle. Hein. Oui, mais j'avais pas la lampe torche allumée. Donc ça passe. Et j'étais le premier à arriver sur elle, donc ça passe. Alors bref, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 18, si je dis pas de conneries. Je crois que tu ne dis pas de conneries.
Puisque là on a 25 minutes de vidéo quand même, mine de rien, c'est pas mal. J'espère sérieusement que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.